Le prochain joueur, il a été l'une des révélations donc, de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, côté guinéen bien évidemment, Sékou Oumar Sylla de Cambourg en Pays-Bas, lui également qui enchaîne des matchs finalement, 90 minutes, son équipe a joué cette semaine, le week-end dernier, ils ont donc, lui il a bénéficié 90 minutes, ça n'étonne pas, Oui, parce ça qu'il a n'étonne sorti pas, un hein. gros volume Kibola, lors de moi, la je CAN, me pose la question, qu'est-ce que Kaba Diawara a donné à ces poulains-là, si c'était la viande du lion? Mais depuis le retour de la CAN, ce garçon est en train de connaître une ascension fulgurante dans son club. Surtout, il a titillé beaucoup de clubs et sont à son secours aujourd'hui parce que il est en train de faire une performance énorme et on le voit, c'est un garçon qui est en confiance, qui donne tout, qui ne triche pas dans son jeu, qui a Il a mis tout le monde un très d'accord lors de volume la de jeu CAN également. sur son talent. Oui, également, il nous a tous épatés par son gros volume de jeu, son impact physique, sa capacité à enchaîner les performances. Surtout, L'assurance qu'il il dégageait compense, quand il a le ballon. aussi les efforts, il compense souvent les efforts du Siagasila. Et il est très rassurant et par sa polyvalence, parce qu'il a joué à un poste où il n'avait jamais joué. Il était utilisé dans un profil un peu ailier et on sait que les garçons d'aujourd'hui, les latéraux modernes peuvent jouer comme ailier. Et lui, il a prouvé, c'est un garçon qui sera très important pour nous. Ce n'est pas le futur du site, c'est le présent du Sili Le National. présent du Sili, parce qu'il a 25 ans, on espère qu'il va donc garder cette belle forme. Son club a joué à domicile ce week-end. Ce week-end, donc, face à Telstar, ils ont gagné à domicile. Et Sékou Oumar Sylla a bénéficié 90 minutes. Ça fait trois matchs qu'il enchaîne en tant que joueur titulaire. Le match précédent, il a joué 63 minutes. Avant ce match, il avait bénéficié 80 minutes. Donc, ça fait trois matchs successivement qu'on utilise comme titulaire dans cette équipe de Cambourg. C'est en deuxième division hein, aux Pays-Bas. On espère qu'il va trouver quand même un club un peu plus huppé la saison Oui, prochaine. un club un peu plus huppé puisque la saison dernière, Cambourg était en première division. C'est cette saison que Cambourg est descendu, a été relégué. Et pour moi, depuis 2022, il est déjà là à Cambourg. Pour moi, vu en tout cas de ce qu'il a montré à cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque je ne sais pas si on va en parler, de l'autre côté, c'est ce qui a quand même propulsé Ibrahima Diakité. Ibrahima Diakité qui n'était pas forcément le premier choix de son entraîneur à Reims, en France. Donc, avec la performance qu'il a en tout cas montrée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Sili National, il a été lorgné par le club Lausanne Ouchi En Suisse. en Suisse. Voilà, c'est pourquoi il a été coopté par ce club, même si c'est en prêt. Donc pour moi, la même chance va certainement sourire à Sékou Mar Sylla, parce que vraiment, il mérite un club un peu plus, avec beaucoup plus de visibilité et un peu plus huppé, puisque Cambourg vraiment a la chance, et je viens même de voir ça sur Google, il a été transféré du côté de Cambourg de façon gratuite, voilà, parce qu'il était en fin de contrat déjà. Ça, c'était une grande chance, Une hein, grande chance, une cerise sur le gâteau. il a signé pour 18 mois et certainement il a rempli. Voilà, c'est en tout cas un jeune, vous savez, il est guinéo-néerlandais. Il est guinéo-néerlandais, il a connu toute sa carrière aux Pays-Bas. Donc certainement, il va essayer de pourquoi pas s'exporter, aller voir d'autres horizons aussi. Puisque c'est normal, c'est vrai, le football hollandais a atteint vraiment un certain niveau, un niveau topissime, je veux dire, Mais nous, en nous Europe. souhaiterions qu'il gagne un club un Un peu club un plus, peu plus huppé, effectivement, voilà. un peu plus huppé, même si c'est l'Ajax, parce que l'Ajax aussi, c'est vrai, c'est un club qui joue les compétitions européennes, mais d'autres horizons, d'autres footballs européens aussi, ça serait important pour lui.